vous avez dit, le président Macron a plusieurs fois dit qu'il ne voulait pas humilier la Russie. Et le président Zelensky a dit cet après-midi, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire ne pas humilier la Russie. Pourquoi le président Zelensky tient ce discours? Президент Макрон сказав кілька разів вже, що не треба принижувати Росію. Президент Зеленський сказав, що він не розуміє, що це означає, чому президент Зеленський так каже. Я не можу це сказати, мабуть, треба запитати президента Зеленського, але я думаю, що він, мабуть, не розуміє, до кого звернено це, тому що українці не принижують росіян. Je pense qu'il ne comprend pas le terme et cette attitude parce que les Ukrainiens ne sont pas en train d'humilier les Russes. Українці на своїй землі чинять оборону від приниження з боку росіян. Les Ukrainiens sur leur terre résistent et se défendent de la part des Russes qui humilient les Ukrainiens. Тому що те, що чинять росіяни в Україні з українцями, воно не може мати іншої назви, як геноцид. Car ce que font les Russes en Ukraine à l'égard des Ukrainiens n'a pas d'autre mot que le génocide. Vous comprenez la position du président de la République française de maintenir un lien avec Vladimir Poutine alors que beaucoup de pays ne pensent qu'il ne faut pas parler avec lui. Vous comprenez la position du français président qui pense qu'il faut soutenir le lien avec le président Poutine, tandis que beaucoup d'autres pays pensent qu'il ne faut pas soutenir ce lien. Regardez, je pense que c'est lié à ce que le président Macron veut garder encore un chance pour la diplomatie. Ми теж вважаємо, що для дипломатії може бути шанс, але з кожним Ірпінем, Бучею, Маріуполем цей коридор стає набагато вужчим. Nous comprenons que le président Macron souhaite garder une chance pour la diplomatie. Nous aussi, nous sommes partisans de la diplomatie, mais nous comprenons qu'avec chaque Mariupol, avec chaque Boucha, avec chaque Erpine, ces chances s'amenuisent. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Larcher, vous avez un calendrier pour votre visite en Ukraine? Quelques jours, nous sommes en train de voir ça ensemble. J'attends. Merci beaucoup. Au revoir.